La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale vient de lancer son tout premier indice boursier. PVMAG All Share Index est l'indicateur qui va désormais mesurer les performances des investisseurs de la zone CEMAC. Le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Louis Bangantolo, a présenté cette réforme à la presse. À compter de ce jour 1er décembre, déjà, nous vous annonçons que la PVMAG est passée à la cotation journalière de lundi à vendredi. Donc c'est un instrument de sondage de l'opinion, un instrument de sondage de la confiance des investisseurs, mais également des peurs que les investisseurs peuvent avoir sur l'économie en général et particulièrement, et qui se reflètent sur leur attitude ou leur propension à vendre ou acheter un certain nombre de valeurs ou de vendre ou d'acheter beaucoup de valeurs. Un challenge régional a été lancé. L'ouverture du jeu concours a eu lieu le 22 novembre et s'est refermé le 27 novembre 2023. Le dépouillement s'est déroulé sous le contrôle du jury composé d'un huissier de justice. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé, la diaspora, depuis la France, depuis le Sénégal, depuis le Maroc, depuis d'autres pays, d'ailleurs les États-Unis et l'Allemagne, qui ont participé à ce concours. Et la cérémonie de ce matin a consisté à dépouiller les 240-250 propositions que nous avons eues pour arriver à un gagnant. Comme critère de sélection, les participants sont les membres des États de la zone CEMAC et sont âgés de plus de 15 ans. Lorsqu'on suit la presse internationale et qu'on écoute les différents index qui sont énoncés, la plupart portent le nom de la place boursière à laquelle ils sont rattachés. Et donc c'est le premier principe sur lequel je suis parti. Share Index, c'est également pour, dans la langue de Shakespeare, c'est la langue de la finance, donc ça permet de vulgariser d'autant mieux en fait cet index sur nos marchés, sur le marché international. À noter que cet instrument participe de la promotion et de la vulgarisation des activités économiques en zone CEMAC. Ce baromètre du marché financier régional sera désormais visible sur la plateforme mondiale.